Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de fin de semaine, à savoir du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021. Vendredi 13, pour ceux qui sont superstitieux, c'est le moment de vous protéger, de jouer au loto, etc., etc. Bon, personnellement, je ne vous recommanderais rien du tout parce que je fais partie de ces rares sorciers voyants qui ne prêtent pas beaucoup, voire pas du tout d'attention à tout ce qui est superstition et compagnie. Hein, la preuve, j'ai un chat noir à la maison, j'ai porté du verre dans un théâtre, j'ai ouvert un parapluie à la maison plus d'une fois, je suis passé sous plein d'échelles, j'ai cassé mille et mille miroirs. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Une vie pleine de galères. Ok, bon, mauvais exemple. Bon allez, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous avez la chance d'être en vacances, eh bien, j'espère qu'il fait beau, qu'il fait bon, que vous profitez bien de ces instants précieux. Profitez-en à fond. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la chance d'être en vacances parce que... Parce que, eh bien, j'espère quand même que vous profitez aussi, faites des choses qui vous plaisent, hein. Allez vous balader en pleine nature, faites des petits pique-niques, voyez vos amis, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plein de sous pour partir en vacances, hein. Dites-vous même un truc, c'est qu'en ce moment, je suis en train de pas mal me balader autour de la maison, en fait, autour... J'ai jamais pris le temps, vous rendez compte les amis, ça fait quand même 3 ans que je suis ici, j'ai jamais pris le temps vraiment de bien me balader autour de chez moi, et en fait je suis en train de découvrir qu'il y a des super endroits et des super lieux. Comme quoi des fois on va partir mais loin, très loin, pour chercher ce qu'on a juste à la maison en fait, hein. Donc comme quoi, hein, y a pas besoin d'avoir un budget, pas besoin de partir en vacances, voilà. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit mix de tout. J'ai bien sûr, on va utiliser le Joracle évidemment pour faire nos énergies. Je sais pas, ce sera nos énergies principales. J'ai plein de choses sur le bureau, je suis en train de regarder ce que je vais utiliser. J'ai bien envie d'utiliser le petit oracle du tarot. Je l'aime bien celui-là, vraiment je l'aime bien. Je vous l'avais présenté, je vous avais fait une review. Franchement, il est vraiment bien pour ceux qui sont un peu fâchés avec le tarot. Celui-ci, il est parfait parce que vous allez retrouver les 78 lames du tarot, mais fait de façon à ce que ce soit un oracle. En fait, tout le tarot a été décrypté pour en faire un oracle. Et du coup, il est super intuitif et il est super sympathique à travailler. Et en plus, il a un tout petit prix, il est à 13,90€ comme tous les petits coffrets, donc voilà. Bon, c'était pas du tout pour vous faire du placement de produit, hein, loin de là, hein, loin de là. On va utiliser une petite baguette chinoise. Je sais à quel point vous adorez les baguettes chinoises, donc du coup, on utilisera une baguette chinoise. Et on va se faire aussi un peu de bibliomancie avec le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Si je vous dis pas de bêtises, d'ailleurs, en parlant de grimoire divinatoire, il me semble qu'il y en a un qui doit apparaître chez Alliance Magique. Alors je sais plus en quelle date. Je crois que c'est à partir de la rentrée, si je dis pas de bêtises. Faut que je vous vérifie l'info, mais il a l'air pas mal. J'ai vu le truc passer, je l'avais mis dans ma wishlist, et puis donc pour ça je vous donne pas l'info complète, mais je sais qu'il doit y avoir un autre. Si vous aussi vous êtes fan comme moi des grimoires divinatoires, voilà, il y en a un autre qui doit apparaître chez Alliance Magique, et je pense que ça devrait être un petit bijou, hein, comme tout ce qui sort de chez eux. Non, je ne suis pas un faillot. Non, vous le savez, vous le savez. Allez, on y va tout de suite les amis pour nos énergies. Donc pour la fin de semaine, donc du 13 au 15. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Si en ce moment, vous vous sentez un peu bizarre, parce que je pensais, je vais vous faire une petite aparté, je pensais que ça venait de moi, personnellement, parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai traversé là dans ces dernières semaines, vu où j'ai le cerveau, il...
Là, pour moi, là, l'année 2021, j'ai qu'une envie, c'est d'être à Noël pour en finir avec cette année 2021, parce que alors c'est bon, hein. Mais je pensais que ça venait que de moi, et en fait j'ai eu des retours d'amis, d'autres personnes, d'abonnés, qui m'ont demandé si voilà, ils se sentaient comme ceci, comme cela, est-ce que c'était normal? Et quand j'ai vu ces messages, je me suis dit, ah donc en fait ça vient pas que de toi, c'est peut-être quelque chose qui est général. Donc du coup je me suis fait un petit tirage improvisé pour voir. Et apparemment, il y a des énergies qui sont plutôt négatives en ce moment et qui nous plongent vers tout ce qui est mélancolie, nostalgie, une envie de rien faire. C'est-à-dire, si en ce moment vous avez envie de rien faire, juste de rester posé sur le canapé, sur le lit et attendre que la journée passe, eh bien ne vous inquiétez pas, visiblement c'est normal. En fait, je pense que les énergies, ça je vous l'ai toujours dit, que les énergies se calaient avec tout ce que l'on vit dans le monde, hein. Et vu ce qui se passe, vu le climat actuel, vu les situations actuelles, et ben forcément les énergies elles sont elles aussi déroutées. Il y a des choses qu'on devrait vivre et qu'on ne peut pas vivre parce que les choses sont ainsi. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui devait se faire ne peut pas se faire. Et par conséquent, ça crée une sorte de tension dans les énergies qui fait que ces tensions, on les ressent également. Donc, si depuis, ça fait environ 15 jours, 3 semaines que ça dure le bazar, donc si vous vous sentez mélancolique, nostalgique, agacé, pour rien, c'est-à-dire vous vous levez le matin et vous vous sentez tendu, vous ne savez pas pourquoi, il n'y a rien qui vous fait plaisir, vous n'avez envie de rien, bref, vraiment, si vous êtes dans cette ambiance-là, rassurez-vous, c'est pas vous qui êtes déprimé, c'est pas vous qui êtes en burn-out ou je sais pas quoi, n'allez pas voir votre médecin pour autant, non, c'est juste que visiblement, on traverse une sorte de tempête énergétique un peu négative et ça visiblement ça affecte beaucoup de monde. Donc voilà, soyez rassurés, c'est entre guillemets normal. C'est pas normal, mais bon, vous l'aurez compris, voilà, si vous êtes vous aussi dans cette dans ces énergies-là, c'est voilà. Donc le remède, c'est tout simplement de laisser passer le temps. Je vais pas vous recommander de faire des rituels, de faire ceci, de faire cela. Non, laissez passer les choses. C'est-à-dire que si vous avez envie de rien faire, eh ben ne faites rien. Si vous vous sentez un petit peu ébranlé dans votre moi profond, éventuellement faites des petits exercices d'ancrage, ressourcez-vous auprès de la terre, essayez d'être en contact aussi avec l'élément de l'eau, puisque l'eau c'est tout ce qui est rattaché aux émotions et aux sentiments, donc vous pouvez éventuellement faire une sorte de communion avec l'eau pour laisser couler tout ce que vous avez en vous, et bien le donner à l'élément de l'eau, et c'est l'eau qui va l'emporter loin de vous. Donc, vous pouvez faire soit des communions à la terre, soit des communions avec l'eau. Vous pouvez éventuellement pratiquer un peu de méditation, mais voilà, ne vous forcez pas non plus à faire des choses. C'est-à-dire que, écoutez-vous, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, ne vous forcez pas à le faire. Parce que si vous vous forcez à le faire, vous allez faire. Voilà, donc ne vous forcez pas à le faire, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, laissez passer et ça reviendra quand ça reviendra, d'accord? Et pareil, ne vous mettez pas de pression en vous disant, oh là, mais les jours passent, et ben c'est pas grave, si ça doit durer une semaine, 15 jours, un mois, et ben ça durera un mois, et puis voilà quoi. Mais il faut laisser tout simplement les énergies s'écouler pour l'instant, ok? Allez, on y va pour notre fin de semaine, donc du 13 au 15 août 2021. Alors, j'ai envie d'en prendre trois. Nous avons l'épée, nous avons le ruban et nous avons le rituel. Ah, c'est drôle, moi je vous parlais de rituel justement. Je vous parlais de rituel. Alors, l'épée pourrait nous symboliser plusieurs choses. Soit ça pourrait nous parler de justice, tout ce qui est en lien avec la justice. Mais très sincèrement, les amis, ça me parle pas, ça résonne pas pour moi la justice. Là, pour moi, l'épée, je la vois plus comme un équilibre ou soit un déséquilibre. Parce que regardez la carte de l'épée, on voit qu'elle est rattachée avec des chaînes, justement. Donc, moi qui vous parlais d'ancrage, est-ce que là, pour les trois prochains jours, on vous inviterait justement à retravailler votre équilibre, prendre conscience qu'en vous, il y a un déséquilibre ou alors que vous êtes dans une situation qui est déséquilibrée et par conséquent, il faudrait réfléchir à comment rééquilibrer ce problème, soit en apportant une solution, soit en apportant une contrepartie, soit en apportant quelque chose qui pourra faire office de poids pour rétablir les balances et revenir à une tare bien droite. Mais voilà, ici pour moi, il y a vraiment un aspect de rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Avec le ruban,
Plus l'épée, du coup, il y a aussi ici une sensation de couper un lien. Soit ce week-end, vous allez rompre quelque chose. Alors, ça peut être rompre une relation, ça peut être rompre une situation, ça peut être rompre quelque chose. Mais ça peut être aussi le fait de rompre quelque chose qui vous entrave, hein, comme à l'image de l'épée avec ses chaînes autour d'elle. Ici, ça pourrait parler du coup de rompre quelque chose qui vous retient. Je pense que c'est à vous que revient la tâche de couper ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. C'est aussi à vous d'en prendre conscience. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a un travail à faire. Il faut que vous... Alors, non, c'est pas identifié parce que je pense que le problème, vous l'avez déjà identifié. Moi, je pense que les outils sont déjà en vous et il faut juste que vous ayez le courage de prendre cette épée pour couper vraiment ce qui vous entrave. C'est peut-être juste un manque de courage que vous auriez. Mais les solutions sont déjà potentiellement là en face de vous, hein. Il y a juste à faire les choses, à se mettre en action et ne pas être dans l'expectative que les choses arrivent. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais justement de laisser passer les énergies. Oui, il faut laisser passer les énergies, mais si il y a des actions qui nécessitent votre attention, il faut agir, il faut pas laisser passer les choses, d'accord? Mais ici, il y a ce sentiment de couper ce qui vous entrave. Ça peut être aussi une forme de libération. Peut-être que là, pour les 3 prochains jours, ce week-end, vous allez peut-être vivre un événement, quelque chose qui va enfin vous libérer d'un fardeau, qui va enfin vous libérer de quelque chose. Ça pourrait être aussi une forme de justice divine. Peut-être que là, pour cette fin de semaine, vous allez peut-être obtenir quelque chose qui est juste pour vous, hein. Ça peut être, je sais pas, moi... une réponse, imaginons, moi je sais pas, que vous ayez tout mis en place pour trouver du travail, et bien peut-être que là, sous cette fin de semaine, vous allez avoir la réponse qui sera juste, qui sera proportionnelle à tout ce que vous aurez fait. C'est-à-dire que si vous avez tout mis de votre côté pour réussir, et bien vous devriez avoir une réponse positive. Vous voyez, ça pourrait être dans ce sens-là. Je vois plutôt un aspect de justice divine ici, pas une justice humaine, donc pas quelque chose en lien avec la justice, mais vraiment une justice plutôt divine, quelque chose peut-être presque karmique en fait. J'ai une sensation ici de karma, de quelque chose qui... Voilà, si vous êtes juste, vous aurez un retour juste. Si vous avez été faux ou injuste, vous aurez un retour injuste. Vous voyez, mais j'ai vraiment ici cette sensation de karma. Pourquoi je suis parti là-dedans? J'en sais rien. Bon, je me suis laissé porter par mes ressentis. Et ici, on a le rituel. Alors, c'est quand même très intéressant parce que du coup... On a vraiment cette sensation de mettre des choses en place, de faire des choses en place, parce que le rituel, il a bien sûr cet aspect magique, mais un rituel, c'est vraiment le principe de rassembler plusieurs éléments, de rassembler dans les bonnes conditions afin de créer quelque chose. Et justement, si vous voulez vous débarrasser d'une situation qui ne vous convient plus, ou quelque chose qui vous entrave, ou vous libérer de quelque chose, ou avoir cette réponse karmique, cette réponse juste, il faut que vous mettiez en place certaines choses. Attention aussi à ne pas modifier, à ne pas altérer. J'ai un sentiment ici d'altération parce qu'un rituel, quand on pratique la magie, c'est l'art d'altérer quelque chose, hein, et cette chose ne sera plus jamais dans sa forme originale, hein. Rappelez-vous l'exemple que je vous cite souvent, à savoir la boule de pâte à modeler. Quand vous l'achetez neuve, c'est une sphère bien ronde, nickel, sans trace. Puis dès que vous commencez à la malaxer, même si vous la remettez en forme de boule, eh ben malheureusement, elle ne sera plus jamais la même sphère qu'à son origine. Vous voyez, ben, la magie, c'est le même principe. Peu importe, c'est pas comme dans Charmed, il n'y a pas de rituel, de contre-formule, de choses pour annuler. Ça, c'est de la connerie. Si vous en voyez un jour, vraiment, n'hésitez pas à dire que la personne se trompe royalement, parce qu'il n'y a pas de contre-formule. Au contraire, chaque conséquence, chaque cause entraîne une conséquence, et chaque conséquence entraîne une nouvelle cause et une nouvelle action. Donc, il faut savoir composer avec ce qu'on a et ne pas chercher à rétablir quelque chose sur lequel vous ne pourrez jamais revenir. D'accord? Donc, ici, pour moi, il y a un aspect de composer avec ce que vous avez à l'heure actuelle. Un peu... Je sais pas pourquoi, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. D'habitude, j'en cherche toujours, et là, j'en ai plein qui me viennent en tête. J'ai eu un... J'aime pas dire le mot flash, ça fait vraiment le voyant de balle. Mais j'ai eu l'espèce de vision, en fait, d'un gâteau que vous voudriez faire, mais plutôt que d'aller acheter dans le commerce, ouvrez vos placards, il y a certainement tous les ingrédients pour faire quelque chose. Même si c'est pas un grand gâteau, il y a de quoi faire, je sais pas, un 4 quarts, un gâteau yaourt, n'importe quoi. Mais voyez, composez en fait avec ce que vous avez. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas à obtenir quelque chose alors que vous avez déjà des choses qui vous permettent de composer pour obtenir une évolution, un changement, une transformation. D'accord? Ce message est très bizarre, je trouve.
Alors, je vous rappelle qu'on reste sur des énergies générales, on est d'accord. Mais j'ai le sentiment que ce message est peut-être adressé à une ou deux personnes spécifiques. Soit on est vraiment dans cette énergie-là, soit vraiment ça s'adresse à une ou deux personnes très spécifiques. Mais ici, il y a vraiment un aspect de... En plus, l'épée, je parlais de justice, la justice divine. Le fait de prendre l'épée, de prendre les armes et d'aller au front, peut-être pour défendre une cause juste, peut-être, oui, ça peut être ça aussi, que cette fin de semaine, vous allez devoir défendre une cause juste, ou une cause en tout cas qui vous paraît juste, une cause pour laquelle vous avez envie de lutter, de défendre aussi. Alors, ce qui est... Là, je suis en train de penser à quelque chose, mais quand on utilise la magie, justement, c'est pour quand on est un petit peu désespéré et qu'on ne sait plus à quoi se vouer, et par conséquent, on essaye de conjurer des forces au-dessus de nous pour nous apporter de l'aide, pour et j'ai ce sentiment-là, en fait, comme si actuellement, peut-être certains d'entre vous étiez dans cette démarche-là de vous sentir comme désemparé, comme perdu. Et là, du coup, le message, on vous fait comprendre que non, la cause n'est pas perdue. Il vous suffit simplement de prendre les outils, de prendre les armes pour défendre votre cause. Et si vous voulez que la cause puisse se réaliser, hein, c'est ce qu'on veut obtenir avec un rituel, eh bien, c'est à vous de mettre en place les actions, c'est à vous de mettre en place les choses. D'accord? Comme si tout vous appartenait en fait. C'est-à-dire que vous avez la capacité, vous avez le potentiel, mais c'est à vous de mettre en place les choses si vous voulez qu'elles... Si vous voulez qu'elles évoluent et qu'elles changent. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va faire 15 heures, ça va pas être possible. On va se prendre une petite carte de l'oracle du tarot qui nous fera office de guidance. J'ai une carte qui vous laisse retourner. J'ai une carte qui vous laisse retourner, c'est la carte de la force faite exprès. J'ai bien envie de la prendre, hein. J'ai bien envie de la prendre parce qu'en plus je trouve qu'elle colle bien avec, elle colle bien avec le tirage. Allez, je vous la lis. La force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Alors, je trouve que cette carte est intéressante, surtout que vous auriez vu en fait, je sais pas, elle s'est retournée, on avait l'impression qu'elle voulait vraiment sortir du paquet, c'est pour ça que je l'ai prise. Et moi qui vous parlais de force, parce que pour brandir une épée, il faut de la force, mais aussi pour faire un rituel magique, il faut de la force. Bref, il y a vraiment ici un ruban. Un ruban, c'est quelque chose quand même de force, c'est un lien, hein. Et ici, on a encore une référence du coup à la force. Peut-être que vous allez devoir faire appel à votre force, ou invoquer de la force, ou invoquer quelqu'un de fort, ou invoquer une force extérieure, parce que du coup, le rituel pourrait nous dire ça. Peut-être que c'est à prendre au sens propre du terme. Peut-être que vous avez vraiment une action ici, une action ésotérique à entreprendre, ou une action en tout cas, parce que le rituel c'est pas forcément ésotérique, ça peut être invoqué plus fort, plus puissant que vous, hein. Imaginons, moi je sais pas, que vous soyez dans une affaire juridique et que vous êtes en train de perdre, et eh bien adressez-vous directement au bon Dieu, cassez ça, vous voyez, je sais pas moi, saisissez encore plus haut, faites remonter les choses encore plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici il y a un aspect d'invoquer plus haut, plus grand que soi, plus fort que soi, et en même temps. Je pense que si vous faites cet effort d'invoquer aussi plus fort que soi, vous pourriez bénéficier de la force de cette personne ou de cette chose, vous voyez? Où il y a aussi un aspect de puiser votre force dans quelque chose. Bref, là aussi, je vais pas épiloguer parce que sinon on y est jusqu'à demain, mais vous l'aurez compris, il y a un aspect ici de force, une résonance avec la force. Soit il faut que vous puisiez votre force dans quelque chose, soit c'est quelque chose qui va vous donner de la force, mais dans tous les cas, ici, on fait appel et pas forcément que de la force physique. Je pense qu'on y a aussi l'aspect de courage, de ténacité, de tenir bon, vous voyez, de garder espoir. Et ça colle relativement bien avec ce que je vous disais, hein, comme on est dans des énergies un peu bizarres, effectivement, il nous faut de la force en ce moment. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? On va finir avec la baguette. On finira avec la baguette. Allez, on va se faire la petite prédiction avec le grimoire des oracles. Nous avons la lune, le sud et le 14. Allez, on va se mettre, tiens, par là. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, voilà.
Alors, sud, lune, ça sera le crâne. Et 14, c'est le numéro 4, avec une paire d'ailes blanches. Crâne 4, blanc. Crâne 4, blanc. Alors, 4, blanc. Ce médaillon symbolise le besoin d'isolement et de récupération après des moments difficiles. Il représente parfois l'envie et la fausse amitié. Et du coup, la paire d'ailes blanches nous dit période temporaire, prudence payante. Alors là aussi, regardez, je vais vous montrer. Attendez, c'était où? C'était où? C'était là. C'était là. Et la paire d'ailes blanches, elle est là. Voilà. Alors, là aussi, on a quand même quelque chose qui est intéressant parce que on nous parle d'isolement et de récupération. Et ça colle encore une fois avec ce que je vous disais sur les énergies, le fait de s'isoler, d'avoir envie de rien faire, etc., etc. On vous parle de récupération aussi par rapport à des moments difficiles. C'est ce qu'on est en train de vivre. Je crois que tous, en ce moment, peu importe notre pays, on vit quelque chose de difficile pour tous. Et le moral, ça fait maintenant 2 ans que ça dure, le moral, il commence à partir en lambeaux très sérieusement. Donc il nous faut ici de la force et il nous faut récupérer aussi de la force. Et pour récupérer cette force, il faut pour moi, je pense qu'il faut que vous la puisiez dans les choses qui vous animent, dans les choses positives. C'est-à-dire que si votre famille est la chose positive de votre vie, puisez dans votre famille. Si l'amour, si les passions, si votre travail, si vos animaux, je ne sais quoi, peu importe, mais puisez vraiment dans ce dont sur quoi vous vous reposez, ce dont vous avez besoin dans la vie pour vous sentir bien, puiser votre force là-dedans et ça vous permettra d'affronter justement tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Allez, on va terminer avec notre baguette chinoise. Alors, nous avons la numéro 32. Alors, la 32 nous dit. C'est l'histoire du célèbre général Sun Wu, fait prisonnier par des barbares du Nord et obligé de travailler comme berger. Tout comme lui, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employé en dessous de votre véritable valeur. Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez, plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Allez, je vais vous approcher de plus près. N'hésitez pas à faire pause pour tout lire. Mais je trouve ici qu'on a un message quand même qui continue dans la même dynamique que notre tirage. À savoir, vous voyez ici, c'est le mot vaillant que mes yeux ont vu tout de suite. Vaillant, c'est quand même un synonyme aussi de la force, de la persévérance, de la ténacité. Vous voyez, le fait de tenir bon, c'est-à-dire que, vous voyez, ce général Sun Wu, il a été capturé, il a été fait prisonnier. C'est-à-dire que il a perdu finalement quelque part la vie qu'il avait pour avoir une vie forcée, quelque chose qui ne lui convenait pas, et il a dû montrer beaucoup de vaillance, beaucoup de ténacité et s'accrocher malgré l'adversité jusqu'à pouvoir récupérer son ancienne vie. Et je trouve que ça colle tellement bien et ça résume tellement bien aussi ce qu'on est en train de vivre et ce que tous, hein, c'est-à-dire que vous aussi, si vous traversez cette période où vous avez l'impression de ne pas être à votre place, si vous êtes dans cette remise en question, si vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, eh bien, tenez bon, les amis. Alors, je sais, ça mange pas de pain de dire oui, la roue va tourner, vous savez, blablabla. Mais je veux vraiment croire qu'il y a un moment pour chaque chose. Et actuellement, tous, on traverse des choses qui ne sont pas terribles, vraiment. Mais il faut tenir bon. Il faut garder cet espoir qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, qui va tourner. Et je pense que ce week-end, peut-être que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez peut-être avoir je sais pas, un élément, un événement, quelque chose qui va vous faire prendre conscience que oui, pour l'instant, c'est un peu chaotique. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous posez beaucoup de questions et vous êtes énormément inquiet. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous donner un espoir pour vous montrer que le futur n'est pas composé de ça et que ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Voilà. Ça sera tout, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. J'espère que cela vous aura plu. On a eu un message quand même qui était vraiment très intéressant et je pense qu'il y a des choses qui... Ce message m'a paru très...
je sais pas comment vous dire, très très recherché, très poussé, comme si on voulait nous faire comprendre quelque chose derrière les mots, vous voyez? Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler derrière ce message. Sur ce, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de passer un très bon week-end, enfin une très bonne fin de semaine, et puis on se retrouve début de semaine pour les nouvelles énergies à venir. Gros bisous à tous!